Soko loko bande kui. Oh. Voilà. C'est comment les fans? Ok. Présent pendant deux minutes, fais là-bas, s'il te plaît. Les fans, hier, routé un peu, hier, routé un peu, non? C'est vrai. Voilà, votre attitude est naturelle. C'est le rotement des rotements. La rototitude. Il s'est vêlé. Ok. Yeri Fresan, s'il te plaît, quand on m'a dit. L'émission s'appelle. Le Maroc qui a parlé façon. Faut checker sur Facebook, vite fait. Et dans l'allée. Animateur, voilà. Deux minutes à la fanatique. Voilà. Ça, c'est un compte qui est réglé à quelqu'un. C'est un chap-chap. Interdit au moins de 18 ans. Ceux qui sont petits de taille, ceux qui ne sont pas encore des adultes, n'ont pas le droit de fumer. De cliquer. Bon, c'est pas grave. Laisse faire ça. Faut checker là-bas si tu veux. À tous les fanatiques et à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, ce n'est pas un ralliement. Ok? Ce n'est pas un ralliement. Vous voyez Vegeta dans Dragon Ball Z. Il n'aime pas qu'on touche à Sangoku parce que Sangoku est sa proie. Si elle dit que quelqu'un doit frapper Sangoku, là, c'est lui, Vegeta, d'abord, qui doit frapper Sangoku. Mais si quelqu'un vient frapper Sangoku à sa place, ça, il ne peut pas accepter ça. Oh! Venez nous asseoir ici même. Dépêchez-vous. Faut pas vous être trop riche ici, hein, parce que c'est pour régler un compte. Hein. Asseyez-vous ici. Vas-y. Eh, attends, Kérou, attends. Toi, me passe premier d'abord. Voilà. Y'a ici. Salut mes fans. Salut mes fans. Salut, salut. Toi, t'es qui? C'est Terminator 45. Présente-toi bien. Comment on te connaît? Le Terminator 45. Kérou. Vas-y. Y'a quoi? Salut, salut famille, voilà, moi c'est Bébé Kérou de la Euro Gang. Hey! Désormais. Déjà, hein? Ah ouais. Ok, non, j'ai tenté de régler un compte ici, là. Mm-hmm. Voilà, par rapport à une foutaise qui est vue. Hein? Ça n'a rien à voir avec vous. Mm-hmm. Voilà. Tous ceux qui n'ont pas réglé, regardez ce direct-là, ceux qui vont tout louper dans leur vie. Mm. Comme je le disais, Vegeta, il ne laisse jamais quelqu'un venir attaquer Sangoku parce que Sangoku c'est sa proie. Voilà, lui veut tout se mesurer à Sangoku, c'est lui qui doit frapper Sangoku. Mais lui sait qu'il ne peut pas frapper Sangoku. Il ne pourra jamais frapper Sangoku. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, ce que moi vous parlez, c'est pas faire Goku, mais pas Goku. Hein. On laisse ça faire, non, c'est ta manière. Je ne suis pas en train de défendre ta cause, hein. Petit bâtard. Je ne défends pas ta cause. Voilà. Mais je déploie une seule chose, c'est le manque de respect envers les artistes. C'est midi. Votre émission sosie, là. Je dis bien émission sosie. Moi, je m'en fous, même si vous me passez plus sur la RTI. Mais c'est pas pour une émission aussi qui s'appelle C'est midi. Que d'autres émissions de la Côte d'Ivoire vont pas faire des émissions avec le numéro 1 du coupé décalé. Ok. Caroline Tassilva, c'est ça, non? C'est quoi elle s'appelle, non?
Ok. Au fait, madame, moi, je t'appelle madame, pas épilé, t'es plus âgé que moi, mais peut-être que t'es pas âgé que moi. Voilà, mais moi, je préfère te dire madame. Moi, j'ai dit, Arafat, je ne paye pas ta facture d'eau, je ne paye pas ta facture de courant. Ta vie, c'est ta vie. Mais quand vous faites des émissions avec des artistes, je dis bien des artistes, il y a des questions, s'ils ne veulent pas que vous les posiez, ne leur posez pas ce genre de questions. Parce que ce n'est pas pour être suivi que vous allez quand même rentrer dans des blessures profondes, dans des souvenirs qui dérangent la tête. Juste pour que vous soyez suivi. Vous faites une mission avec le gars. Il vous dit qu'il ne veut pas voir cette image. Il faut déplacer cette image. Qu'est-ce qui est compliqué? Il n'y a rien qui est compliqué. Ça, c'est déjà un. Vous n'avez pas respecté ce qu'il a dit. Vous ne l'avez pas respecté lui-même. Par exemple, si c'était moi, Arafat, là, si il dit que non, laissez, vous ne vous laissez pas, je vous jure. Hein. Il allait gifler au moins une animatrice à la télé là-bas pour lui montrer que. On te dit, il ne faut pas faire, il ne faut pas faire. Ça blesse. Ça rappelle de mauvais souvenirs. Mais, comme tu veux avoir des vues pour ton émission, tu rentres dans des plaies. Et ça, c'est des cas à défendre. Parce que demain, ça peut se répéter avec un autre artiste. Il faut arrêter. Faites votre émission sosie de la France. Là, vous n'avez pas vu, les Français sont moqués de vous. Vous n'avez pas vu ça. Les vrais animateurs, mais sont moqués. Vous n'avez pas vu ça. Je ne dénie pas votre émission, mais moi, en tout cas, je déplore ce que vous avez fait aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui, autant pour moi. Faut pas que Il y a quelques jours, là, mais j'ai vu la vidéo sur Facebook aujourd'hui. Et ce n'est pas parce que je suis en guerre musicale avec ce dernier qui fait partie de ma destruction. Mais moi, personnellement, j'ai parlé en tant qu'artiste aussi. Et puis en défendant sa cause. Parce que, mine de rien, c'est un artiste. C'est une superstar. Il faut respecter vos stars. Arrêtez de vous foutre de vos artistes. Sinon, votre télé, là, votre émission, vous avez gardé ça pour vous. En tout cas, moi, ma télé, c'est ici. On ne peut pas m'arracher mon téléphone. J'ai des putains de millions d'abonnés sur ma page. Donc, moi, ma télé, c'est ici. Mon samedi, là, c'est là. C'est ici. Moi, même s'il y a télé. Donc, moi, personnellement, vous ne pouvez rien me faire. Voilà. Je déplore ce que vous avez fait à cet artiste et ce n'est plus à répéter. Voilà. Au lieu que lui aussi passe son temps à clasher des gens bêtes, à leur donner des noms ici. Voilà, c'est des cas à rectifier. Et puis il faut te faire respecter avec ce genre de bassalo, yo, de se foutre de toi. Et puis toi, l'animateur qui ressemble à Bidé, là. Tu connais Bidé? Tu vois, quand tu joues Ludo et puis on jette le truc, ça sort Bidé. C'est à ça que tu ressembles. Bacille, tu te prends pour qui tu traites des gens hein, tu es un enfant d'adultère. Ta maman, ta mère con. C'est pas bon ce qu'il fait, mais je vous demande pardon à mes fans, mais sérieux, hein, ta. Il voyage âme la bataille. Il prend ça, il fuit ta maman. Voilà. C'est pour te dire que. Lui là, c'est pour moi. C'est moi, c'est ma proie, c'est ma destruction. Quand il va faire sa vidéo pour me demander pardon. Hein? Voilà, je vais lui ouvrir le futur. Je vais l'enlever dans beaucoup de choses et il va connaître le futur. Et il va écouter quand Papa Burus parle. Mais tu n'as pas le droit de traiter quelqu'un. Hein? Qu'il est né d'adultère. Ta maman. Basse alors. Tu sais ce que ça dit, ce que tu as dit. Hein? C'est grave. Tu connais pas la vie des gens. Tu te lèves, tu traites les gens d'adultère. Écoute, le gars. Il y a des choses que j'ai pas envie de dire, mais on n'a qu'à se respecter. Mais il a souffert dans sa vie et il souffre. Son père n'est plus. Sa mère n'est plus. Et toi, bâtard, à cause des missions, tu as dit qu'il est né d'adulte. Ta maman.
Maintenant, quand il est arrivé à Abidjan, maintenant là, tu as venu me dire ça. Tu as arrivé, c'est moi. Parce que c'est comme si c'est moi. C'est comme si ça m'a t'a manqué de respect. Ta maman. Les fans de la Eurogang, à partir d'aujourd'hui, ne regardez plus ce midi. Voilà. Les animatrices qui ressemblent à Punchline. Ouais. Un, vous êtes pente. Deux, vous foutez votre merde. Trois, vous pensez qu'on est aux États-Unis, en Côte d'Ivoire. C'est vous qui savez venir parler des affirages des gens dans vos émissions. C'est pas en vous gâteau pas. Une fille, je dis bien une seule fille, elle n'a qu'à parler de moi, elle est là. Destruction. Il voit, j'ai ses règles. Oui. Une fille qui parle de moi, dans votre midi là, il voit, j'ai ses règles. Ça va aller. C'était mon message aujourd'hui. Vous n'avez pas un message pour Abidjan, là? Abidjan. Voilà. Abidjan, bientôt. Stop, là! Et toi, mais je parle Abidjan. Ok. J'ai vu que beaucoup de fans ont commencé à dire « DJ Arafat ne respecte pas ses paroles. » Que moi-même, j'ai dit « Ouais, ceux qui sont... De les, que les amis de mes ennemis ne sont pas mes amis. » Oui, je l'ai dit. Mais vous voyez ces danseurs-là. Venir chercher en Europe veut dire affronter la vie. Venir chercher ici veut dire...